un virus informatique a construit une armée de soldats robotisés et a pris le contrôle de notre planète. Il reste un dernier refuge dans lequel l'humanité s'est repliée, la cité d'Aube de Corinth. Il ne nous reste plus qu'un ultime espoir, les Power Rangers. Précédemment dans Power Rangers RPM. Scellez toutes les portes. Activez le bouclier. Et si jamais il y avait des survivants à l'extérieur? Pas un geste. Toi aussi, tu cherches la cité d'Hommes de Corinth? Et heureusement pour toi, je peux t'y conduire. Je capte de la technologie interne de Vengix de pointe. Donc vous êtes au courant que vous avez de la technologie robotique disséminée dans votre corps, mais vous n'avez aucune idée d'où elle provient. Nous allons être obligés d'activer la série noire. Oui, mais nous n'avons pas d'agent opérationnel capable de maîtriser la biotenue de la série noire. Alors dis-moi où tu vas en trouver un. Tout ce que je veux savoir, c'est où est-ce que tu vas. J'espère sincèrement que tu es sûr de toi sur ce coup. Parce que je ne vois pas du tout ce que tu trouves d'impressionnant chez cette espèce de rigolo. Et maintenant, tu le trouves impressionnant? Tu dois te joindre à nous. Tout ça va dépendre d'une chose. Est-ce que je peux choisir ma couleur? Et voilà, on est arrivé. Bienvenue à la maison. On a baptisé l'endroit le garage. Eh oui, voyons si tu devines pourquoi. C'est la tienne. 700 chevaux en réserve. Joli jouet. Et voilà les véritables jouets. Qui est-ce qui vous fournit tout ce matériel? C'est moi. Entrez, je vais vous montrer. 3 ans avant l'attaque du virus Vengix, j'étais à la tête d'une équipe de recherche qui développait des tenues à exosquelettes robotisées servant à décupler la force et la rapidité humaine. Nous tentions de canaliser l'électricité produite naturellement par le corps humain pour prolonger l'autonomie de la batterie de la tenue, comme nous avons fait une découverte révolutionnaire. L'existence d'un champ bioélectrique universel. C'est une aura énergétique invisible qui connecte la force vitale de tous les êtres vivants. La manipulation de ce champ nous a fait faire des percées spectaculaires dans le domaine technologique. Notamment celle-ci. Les prototypes de biotenues de camouflage série Ranger destinés à l'infanterie. Je vois. C'est vrai que niveau camouflage, le spandex rouge, jaune et bleu, c'est une bonne idée. Ce n'est pas du spandex. Le Dr. K est un tantinet susceptible dès qu'on parle de ses inventions. Ce matériau est issu de la combinaison d'un alliage intracellulaire à mémoire déformée et d'une nanofibre moulée à auto-assemblage. Autant pour moi. Et est-ce que c'est lavable en machine ou est-ce qu'il faut le donner au teinturier? Vous les avez vus en action. Vous savez de quoi elles sont capables. Oui, et j'avoue que j'ai trouvé ça très impressionnant. Mais je n'ai rien à faire ici. Et je ne serai pas votre power machin noir. Power Ranger série noire. Écoutez, je ne suis pas un super-héros, en plus on m'attend quelque part. Une promesse à tenir, j'imagine. On peut le dire comme ça. Tu as l'air d'oublier un peu vite que le seul endroit où on t'attend, c'est la belle cellule en prison d'où on t'a fait sortir. Et à ton avis, il me faudra combien de temps pour m'évader, petit malin? Les gars, oubliez-le. C'est un amateur, de toute façon il n'aurait jamais pu passer les tests d'aptitude. Il y a des tests? C'est quoi ces tests? Le niveau de capacité mentale et physique nécessaire pour actionner notre bioéquipement Ranger est aussi élevé que rare à posséder. Test d'orientation spatiale tridimensionnelle. Psychomotricité et capacité d'adaptation. Résistance anatomique au stress. Temps de récupération physique. Réflexe et contrôle de la panique. Capacité physique en immersion.
pour retrouver son équilibre. Souplesse anatomique. Capacité motrice après désorientation. Capacité pulmonaire. Résistance à l'environnement. Ses scores sont trop élevés pour être mesurés. L'implant bionique décuple sa coordination et lui confère des réflexes surhumains. Je n'en ai rien à faire. Désolé. Je n'ai aucune confiance en ce soi-disant Dylan. Je sais, moi non plus, je n'ai pas confiance en lui, mais en l'occurrence, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait une foule de candidats qualifiés qui se bousculent au portillon pour rejoindre les Rangers. Nous n'avons pas le choix. La série noire doit être activée avant que les boucliers de la ville ne soient à nouveau pris en défaut. C'est le moment que je préfère. Voici le robot de soins amphibie, Vengeance de la 9e génération. C'est un chef-d'œuvre extraordinaire! Son système circulatoire hydraulique lui permettra d'entrer dans Corinth en entrant dans les canalisations d'eau. Une fois dans la ville, plus rien ne pourra l'arrêter. Arrête les pouvoirs de vengeance! La cité dôme de Corinth est un environnement autorégulé qui se suffit à lui-même. Tout y est recyclé et tout y est programmé. Même la météo. Je vois ce que tu essaies de faire. Tu me présentes la ville et les gens que je vais devoir protéger. Je veux te montrer pour quelles raisons ça vaut le coup que nous nous battions. Tu fais en sorte que je finisse par m'attacher. Une fois que ton ADN aura fusionné avec le morpheur de la série noire, ce sera permanent. C'est une preuve de notre confiance. Non, arrête. Il ne faut pas. Pourquoi ça? Je ne suis vraiment pas une personne fiable, c'est clair. Un jour, des gens m'ont demandé de veiller sur eux et je les ai... Et tu es toujours à la recherche de ces personnes, alors que tu ne sais même plus qui ils sont. J'aimerais bien qu'une personne dans ton genre me protège. Alors, c'est d'accord? C'est d'accord. À une condition. Ah! Tu nous mets des conditions maintenant? Une seule. Allons les amis du calme. Je suis désolé, je me serais fait une joie de rester avec vous. Sinon voilà, je vais devoir travailler avec une nouvelle équipe. Je sais pas si vous en avez entendu parler. On les appelle les Power Rangers. Tu nous le payeras, Ziggy. Salut, Ziggy Groover, au rapport, chef. Je suis vraiment un de vos plus grands fans. Ah, non, 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 pas question de se serrer la main. On se fait la bise, là, comme ça. D'accord. Alors, c'est quoi au juste la raison qui justifie sa présence? En ombre chinoise, il est vraiment fort. Début de la séquence de morphosession de l'ADN de la série noire. Bravo. Félicitations. Comment tu te sens? Un peu serré, mais bon. Oh oui, oui, oui. Alors ça, c'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma... Oh là, attendez, oh. Ne bougez plus, gardez la pose. Ça, c'est vraiment parfait. Allez, t'es prêt? Sérieux, là? Ouais, rouge, rapproche-toi un peu de noir, tu veux? Oui, là. Parfait, c'est génial. Ah non. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. C'est toi, tu as fermé les yeux, on en fait une autre. Comment est-ce que tu vas les yeux? Est-ce que tu pourrais un peu sourire? T'es un bon ranger, alors amuse-toi un peu. Allez, fais la photo. 1, 2, 3, Rangers. Ah, je vois, je suis en train de gâcher ce petit moment entre Rangers, c'est ça? Je vois, en fait, ça se fait pas vraiment, c'est ça? J'ai un peu... D'accord, aucun souci, j'ai saisi l'allusion. Vous n'avez qu'à faire comme si je n'étais pas là. Il y a une chose que je voudrais savoir. Mm-hmm. Le spandex est obligatoire. Il n'y a pas à dire, ils sont plutôt susceptibles. Si je vous dis qu'il reste encore une petite tache, ça risque de faire un peu trop, non? Bienvenue à bord, mon grand. Plus question de se dérober maintenant. Bon alors,
La chambre de Summer est de ce côté et notre chambre se trouve là-haut, à droite. Quoi, tu vas dormir avec ça? Si je dormais, sûrement. Connais un moyen sûr de sortir de la ville. Sortir, tu veux dire? Tu veux dire sortir? Sortir? Réponds-moi, un point, c'est tout. Eh ben, ils évacuent le propane au niveau de la station 19 quand l'aube se lève, mais tu n'as que 2 secondes entre chaque explosion. Ça fait très court pour passer par là. Dylan, attends! Dylan! Tu vas pas t'en aller comme ça! Dylan! Je suis dans l'enceinte de la ville. Excellent! Dissémine le brouillard perforateur de bouclier. Je t'envoie tout un bataillon de Kratos. Une substance est dispersée depuis l'enceinte de la ville et celle-ci perturbe les fréquences du bouclier. Plusieurs panneaux ont déjà cédé. Dylan. Mais ma voiture... Ça y est, j'ai repéré la source. Ça vient du secteur 4, de la station d'épuration. Mais ma voiture... Personne ne touche à ma voiture. Oui, d'accord, mais ça va devoir attendre. Bon, d'accord. Ceci est un signal d'origine humaine émis sur toutes les fréquences radio depuis la cité d'Aume de Corinthe. 71 degrés, 52 minutes et 52 secondes, longitude nord. 42 degrés, 20 minutes, 46 secondes, latitude ouest. Plus ça va et plus vous êtes moche. Vous arrivez trop tard. J'ai déjà dispersé le brouillard. Et un bataillon des Grinders va submerger la ville. À la bonne! Cartouche arme activée. Ça a bon nitro. Mes Grinders! Et tu es le suivant! Pas si vite! Avoir gagné. Les autres Grinders vont vous donner du fil à retordre pendant que je détruirai la ville. En avant. Il emprunte le conduit d'eau principal qui débouche directement au port. On est en route. On y sera dans 3 minutes. Fuyez, humains! Jess, les capteurs détectent du mouvement devant vous. Des Grinders! Ils nous empêchent d'accéder au port! On est cernés! Enfonçons! Yeah!
J'y baisse un but d'œil. Attaque foudroyante. Niveau d'énergie critique. Repasse d'énergie. Submergés. On aura bientôt plus de courant. Ils ont des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Doc, est-ce que vous pouvez me donner accès aux transmissions radio? Ne m'appelez pas Doc. Dites-moi seulement comment il faut faire, je veux que Dylan entende ça. D'être revenu. Occupez-vous du gros vilain. Je vais me charger des Grinders. Mais Dylan! Il y en a des centaines! Je sais. Vengix aurait dû en envoyer plus. Allez, à l'attaque! D'accord! Sorte, à la rescousse! Super Octane Megazord! Il nous tire dessus! On se protège! Attention! Vous en redemandez? Mauvaise idée! À qui le tour? Ah!
coincé. Arme activée. Super ça. Épée nitro. D'état de nuire. Ouais. Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. Dylan, réponds. Tu es là? Ranger noir, je veux un rapport de situation, tout de suite. Je vais très bien. Non, je veux savoir comment va la voiture. Ranger noir, terminé. Dylan!